Mon frère et ma soeur, le moment est venu de vous engager mutuellement comme de bons et fidèles époux devant cette assemblée et en présence de Dieu. Mon frère, nous descendons à Coupe-Georges Abraham. À l'état civil, vous avez contracté mariage selon la loi de ce pays. Voulez-vous maintenant confirmer cette promesse en rapport avec les prescriptions que la parole de Dieu adresse aux époux qui ont accepté l'intervention de Jésus-Christ dans leur vie? À cet effet, je vous demande, chers frères et sœurs, pour Georges Abraham, d'exprimer devant les autorités célestes et devant nous maintenant votre volonté de maintenir Dieu au centre de votre foyer, de garder à celle qui devient votre épouse une fidélité absolue et de vivre avec elle dans une unité conjugale aussi complète que possible, aussi bien dans les moments difficiles que dans les jours de joie et de prospérité. De veiller sur elle avec amour et tant ainsi une illustration de ce que Jésus est pour son Église. Est-ce bien là votre pensée, votre désir et votre détermination? Oui. Cette parole de celui qui vous entend et que vous voulez servir, que vous trouverez la force d'accomplir votre engagement. C'est un bon plan et puis... Permettez-moi, Christelle, à l'état civil, vous avez contracté mariage selon la loi de ce pays. Voulez-vous maintenant confirmer ces promesses en rapport avec les prescriptions que la parole de Dieu adresse aux époux qui ont accepté l'intervention de Jésus dans leur vie? À cet effet, permettez-moi, mon Christelle, je vous demande de dire, d'exprimer, pardon, maintenant, devant les autorités célestes, devant nous, votre volonté de maintenir Dieu et sa parole au centre de votre union, de garder à celui qui devient votre époux une fidélité absolue et de vivre avec lui dans une unité conjugale aussi complète que possible, aussi bien dans les moments difficiles que dans les jours de joie et de prospérité, de le seconder avec modestie et amour, tant ainsi une illustration de ce que l'Église doit être envers Jésus son Seigneur. Est-ce bien là votre pensée, votre désir et votre détermination? Oui! Je dis le Seigneur, Seigneur, Seigneur.
micro dessus. Pas grave. Parce que le moment est venu pour que chacun de vous puisse partager l'anneau qui sert de la barrière entre celui, le ciel, qui deviendra son enfant. Alors, mon frère,